الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد أيها الأحباء في الله أيها الإخوة في الإسلام تبتم وتاب ممشاكم وتبوأت من الجنة منزلة وجمعني الله إياكم عند مستقر رحمته في جنات النعيم مع حبيبنا وقدوتنا محمد المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام جعلنا الله نحيا على سنته ونموت على ملته ونحشر في زمرته وتحت لوائه وننال شفاعته ونشرب من حوضه الشريف شربة لا نظمى بعدها أبدا الحمد لله الإسلام كم لوندي لا سمين فاسي إتن ريليجيون دي بي qui porte à son sein tous les facteurs qui unissent les gens et il élimine tous les facteurs qui a pour objectif ou pour nature à s'aimer la discorde entre les gens. C'est une religion d'ordre et de discipline. C'est une religion de fraternité, de solidarité, de l'équité, de justice. Dès le très haut dit, innama al-mu'minun ikhwa. Les croyants ne sont que des frères. Ils ne peuvent pas être autrement. Ils ne peuvent être que des frères. S'ils ne ressentent pas cette fraternité les uns envers les autres, ils ne la concrétisent pas entre eux, ils doivent impérativement revoir, remettre en question leur foi, car certainement, certainement, il y a une différence. Le croyant et le frère du croyant, le musulman et le frère du musulman. L'une des exigences de cette fraternité, c'est l'amour d'aimer son frère. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Kounou ibadallah ikhwana al-muslim akhul muslim » Soyez des serviteurs d'Allah qui sont des frères, le croyant, le musulman et le frère du musulman. Donc l'une des exigences de la foi, c'est la fraternité, dans l'unité. Inna hadhihi ummatukum ummatan wahidatan wa ana rabbukum fa'budun. Wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahidatan wa ana rabbukum fattaqun. L'autre communauté qui est la vôtre, c'est une communauté unique. C'est une communauté. C'est l'unicité de la parole. La parole de l'unicité dit ainsi car ce qui nous unit, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Par cette parole, nous avons un seul, le seul, le même Dieu et aussi le même livre. On a la même religion et nous avons les mêmes actes culturels. Donc nous ne pouvons être que des frères et unis. Si le contraire arrive, c'est qu'il y a un problème avec la foi. L'amour, comme le dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَا تَدْخُلُ الْجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُ وَلَا تُؤْمِنُ حَتَّى تَحَابُ أَوَلَا أَدُلُّكُ عَلَى شَيْءٍ إِذَا فَعَلْتُمُهُ تَحَابَبْتُمْ اُفْشُوا السَّلَامَ بَيْنَكُمْ Vous ne entrerez au paradis jusqu'à ce que vous croirez. Tant que vous ne croyez pas, vous ne pouvez pas entrer au paradis. Vous ne croirez que si vous aimez. Si vous vous aimez. Quand on ne s'aime pas, il n'y a pas l'amour. C'est impossible de trouver la foi sans l'amour. Si la personne, s'il y a l'amour dans le cœur, c'est que certainement cette personne portera tout croyant, tout musulman dans son cœur. Et voulez-vous que je vous indique une œuvre? Si vous le faites, ça vous aide à avoir l'amour mutuel entre vous, c'est répandre la salutation. Donc ça va de pair, ça va ensemble, cet amour. Et le minimum qu'il faut, le minimum d'amour qu'il faut pour la foi, c'est comme la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, comme on dit, les savants nous ont dit, at-takhliya wa tahliya. C'est la guidance et l'emplissage. La ilaha, c'est takhliya. C'est-à-dire, c'est vider complètement ton cœur de toute divinité et tu le réalises pour qui? Pour Allah.
C'est la même chose aussi pour la fraternité, que tu débarrasses ton cœur, sois saint et pur de toute rancune, toute haine, toute animosité envers ton frère, et le faire remplacer par quoi? Par l'amour. L'amour minimum que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la yu'min ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibba li nafsi. Aucun d'entre vous ne serait vraiment, véritablement croyant jusqu'à ce qu'il aime pour son frère, ce qu'il aime pour soi. Donc, le minimum, le degré minimum, c'est quoi? C'est d'aimer pour ton frère ce qu'il aime pour toi, ce qui l'attriste, ce qui lui rend heureux, Et c'est ça le minimum. Et le degré le plus élevé, qui préfère les autres sauter, même s'il y a une riche chez eux. Quiconque se prémunit contre sa propre avarice, voilà ce qui réussit. Quand on arrive à ce stade-là, comme je dis, c'est une religion de paix, c'est là où la paix s'installe. Et ça, dans l'équité, l'égalité. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a pas une unité sans l'égalité, il n'y a pas une égalité sans justice. Il faut qu'il y ait la justice. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le premier dernier adieu, qu'est-ce qu'il dit? Il dit il y a telle personne, telle aucune supériorité à telle race ou telle ethnie, si ce n'est la piété. On aime cette équité, cet amour, cette fraternité. Le croyant a le devoir de venir en aide à son frère qui est dans le besoin. C'est pour cela que le monde, le prophète Dieu le traite, dit l'antenne de Rahata, tout ce qu'on m'a dit. Vous atteindrez la piété jusqu'à ce que vous faites la richesse de ce que vous chérissez. C'est le monde, à travers le monde, à Zakat. C'est pour cela, Isa, une Mariam. Quand il dit, Al inni Abdullah, atani al kitab, wa ja'alani nabiyan, wa ja'alani mubarak aina ma kuntu, wa awsani bis salat wa zakat ma dumtu hayyan. Bis salat wa zakat ma dumtu hayyan. Le croyant a le devoir de soigner sa relation avec son Seigneur par as-salat. As-salat et tous les autres suivent la salat, c'est ça, imam al-din. Et soigner aussi sa relation avec ses semblables, autrui, ça se fait par zakat, c'est as-salat. L'un des moyens aussi par lesquels on soigne des relations avec autrui, c'est le prêt qu'on appelle le prêt sincère. Le prêt sincère sans intérêt. Et il a la même valeur que le monde. Il a la même valeur. Des fois, il est plus rémunéré que le monde même. Il est tellement important que l'islam a émis des règles concernant la dette. Il y a des procédures à suivre quand on veut contracter une dette. Et malheureusement, beaucoup d'entre nous ne suivent pas ces procédures et ça crée des problèmes parce que, comme on vient de dire, l'islam c'est une religion de paix. Le but de l'aumône, le but de prêt, comme on dit le Qadbul Hassan, c'est de faire que les gens s'aiment. Mais malheureusement, quand on ne suit pas les procédures comme il faut, c'est le contraire qui arrive. Ça devient une source d'animosité entre les gens. La première chose concernant le prêt ou dette, d'abord on prend le prêteur. Le prêteur, l'islam l'encourage, quand on a les moyens, de venir en aide à ton frère qui est dans la chair, qui est dans les difficultés, qui est dans le besoin. Et il a récompensé celui qui pose cette geste. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith il dit Man andara mu'sira aw wada'a anhu kana lahu bi kulli yawmin misla sadaqa mithluhu sadaqa aw fi hadith akhar mislayhi. Dans ce hadith le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit quiconque accorde un délai à son frère dans la gêne ou vraiment il pardonne une partie de dette ou entièrement aura l'équivalent de la somme en aumône. En somme en aumône. Dans d'autres versets, il dit il aura l'équivalence deux fois la somme en aumône. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire qu'une personne qui se présente devant toi dans le besoin, tu lui prêtes une telle somme, supposons 1000 dollars. Tu lui prêtes ces 1000 dollars, chaque jour qui passe, il sera inscrit dans ton compte 1000 dollars comme aumône. Si ça prend 10 jours, ça fait que c'est comme si tu as donné 10 000 dollars en aumône. Si le délai arrive à la fin du délai, tu lui accordes encore un autre délai en ce temps, ce n'est pas seulement
l'équivalent de la somme, mais deux fois de la somme. C'est chaque jour qui passe, 2000. Pour te dire, tout ça, c'est pour encourager pour l'amour entre nous, la fraternité entre nous. C'est très important. C'est pour cela, dans d'autres hadiths, ça c'est dans l'au-delà, dans ce bas monde aussi, et comme dans l'au-delà, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, hu siba rajulun mimman kana qablakum. فلم يجد له من الخير شيء إلا أنه كان يخالف الناس وكان مؤسرا وكان يقول لغلمانه تجاوز عن المؤسر فقال الله للملائكة أنا أولى بذلك منه فتجاوز عنه On appelle une personne, la blue de la blue de la résurrection. De rendre compte. On vérifie dans son compte, il n'y avait rien de ce qui est bien, de ce qui est bien qui peut l'amener au paradis. Donc son sort est scellé, c'est l'enfer. Mais il avait un atout. Quel est cet atout? C'est une personne qui faisait des affaires avec des gens. Et il était riche. Et malheureusement, de nos jours, des gens qui sont riches, là, ils se mettent loin des gens, se sentent supérieurs aux autres. Non, il ne faisait pas ça. Il se mêlait des gens. Il faisait l'affaire des gens. Il disait à son trésorier de laisser aller celui qui est dans la difficulté, de lui vraiment effacer sa dette. Dieu dit, je suis plus généreux que toi. Et Dieu aux anges, laissez-les aller. Pour te dire combien de fois c'est important de venir en aide à ton frère. Quant au débiteur, emprunteur, la personne qui a la difficulté de venir emprunter, l'islam décourage. Il décourage la personne de recourir au prêt. Ce n'est pas vraiment quelque chose qui est souhaitable. C'est pas, on le fait seulement que dans le cas de nécessité. Extrême. On ne recourt pas, on n'emprunte pas pour acheter des choses luxueuses. D'avoir une voiture luxueuse, une maison luxueuse, on ne fait pas cela. Car le professeur sallallahu alayhi wa sallam a mis en garde contre des conséquences graves à ceux qui meurent, laissant derrière eux des dettes non payées. Le professeur sallallahu alayhi wa sallam dit Nafsul mu'min. Dans ce hadith, le Prophète sallallahu alayhi wa sallam dit l'âme du croyant est suspendue en raison de quoi? De sa dette. Jusqu'à ce qu'il l'acquitte. Ça veut dire quoi? Si une personne meurt, il a suffisamment de bonnes actions, son actif, qui lui permet de rentrer au paradis, non, il n'accéderait pas au paradis aussi longtemps qu'il ne s'est pas acquitté de la dette de ce qu'il doit aux autres. Pourquoi? Parce que ça relève les droits d'autrui. On sait très bien que dans l'islam, les conditions de se repentir, c'est de regretter l'acte que tu as fait. Et prendre un engagement de ne jamais, là aussi, et réparer vraiment ce que tu as fait. Pour Allah, il pardonne tout. Mais pour ton prochain, si tu fais quelque chose à ton prochain, il faut vraiment que tu rentres son digne. Donc c'est pour cela, c'est très important qu'on ne s'entête pas. Le Prophète sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude. أن سلمة بن أقرع قال كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأوتي بجنازة فقال عليه دين فقالوا لا هل ترك شيئا قالوا لا فصلى عليه فجاءت بجنازة أخرى فقال هل عليه دين قال نعم قالوا نعم وهل ترك شيئا قالوا ثلاث دنانير فصلى عليه وأوتي بجنازة أخرى فقال هل عليه دين قال نعم هل ترك شيئا قالوا لا قال صد ولا صاحب le professeur là au début de la course à prophétie, ça c'était pas le cas à la fin, mais au début il ne priait pas pour celui qui meurt laissant derrière lui des dettes non payées. Il arriva un jour qu'on l'amena un mort afin de prier pour la personne. Il posa cette question: avait-il des dettes? Il dit non. Avait-il laissé quelque chose? Il dit non, il a payé son prix. Il n'a pas de dette, il n'a rien laissé. Donc il n'a pas de problème. Ni pour lui, ni pour personne. D'autres personnes sont amenées à une autre mort. Lui, il doit aux gens quelque chose, mais il a laissé quelque chose aussi avec laquelle on peut rembourser. Il a payé aussi pour la personne, sur la personne. La troisième personne, c'est quoi? Il a laissé, il n'a rien laissé et il doit aux gens. Il dit non, priez pour votre compagnon. Et il n'a pas fait. Mais à la fin de sa vie, vrai, il a prié sur toute personne.
qu'on avait là, toutes les morts qu'on avait là, même s'il est endetté, il dit, je vais le prendre en charge. Je vais prendre toutes vos dettes en charge. C'est pour toute la gravité, vraiment, de s'endetter pour rien. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, al mar ou al abd, idha gharima, haddatha fa kadaba, wa wa'ada fa khalafa, wa akhlafa. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, si une personne est endettée, il n'hésite pas de mentir, il n'hésite pas aussi de trahir, Et on sait que c'est le souci durant la nuit et durant la jeunesse, l'humiliation. Donc il est encouragé, il n'est pas encouragé vraiment que la personne recourt au prêtre. En cas de nécessité majeure. Il y a des procédures aussi à suivre. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينت بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. Si vous contractez des dettes jusqu'à un terme, à l'échéance fixée, à l'échéance déterminée, mettez-la en écrit. Il faut l'écrire. Et malheureusement, on croit que c'est pour les autres. Quand tu dis à ton frère, tu se présente devant toi, prête-moi telle somme, on écrit qu'il n'a pas confiance en moi. C'est une ordre divine. L'ordre divin, c'est Dieu qui ordonne. Il faut qu'on l'écrit. On l'écrit. Et faites-en témoignant deux de vos hommes. Ou engage. Donc c'est trois choses. On écrit. On prend témoignant, deux témoignants. On prend garantie aussi. On prend garantie aussi si il n'y a personne de l'écrire. Mais malheureusement, des gens ne font pas ça. Et c'est pour cela dans notre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Thalathatun da'awatun ghayr mustajab. Il dit à trois personnes, leurs invocations ne seront pas exaucées. Parmi ces trois personnes-là, une personne qui a prêté à d'autres personnes, il l'a nié et il commence à maudire la personne pour faire l'invocation. Il dit non, ça ne prend pas. وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد لصحتكم. الكوين سونكم ان سور كور لا باك لي سور ليبر لو كور باك لي سور لو تيب لو كور كان يكون في بارتي تو مالاد او سور في مال سي لانسامبل دو كور تو وا اي ام فيبري اي اوسي ريسان لا دولير سي انسي لو كرويان دون فرير كي دان لو بيزوين سي تين اوبليغاسيون فريمون دو فينير ان نيت. Quand la personne t'aide, le minimum à faire, c'est de rembourser sa dette dans le plus bref délai, le plus vite que possible. Quand on a les moyens et on ne s'acquitte pas de la dette, c'est une injustice énorme. Matulul Rani Dolom, la personne qui a la capacité de s'acquitter des dettes et retarde l'acquittement est une injustice énorme. Une injustice énorme. Donc on ne sait pas quand on meurt ou quand cette chose arrive, donc il faut s'acquitter. On ne s'endette pas pour rien. Malheureusement, de nos jours, c'est facile pour les gens de s'endetter avec les cartes de crédit. Encore plus, l'un des principes dans la dette, il ne faut pas qu'elle soit contractée avec intérêt usuraire. Pourquoi? Parce que ça va à l'encontre du principe même du prêt de Qadul Hassan. Qadul Hassan, c'est de venir en aide la personne. Mais enfoncer la personne en train de tomber encore, ça c'est l'intérêt usuel. C'est l'injustice, c'est le comble. Cela, Dieu a déclaré la guerre contre ceux qui pratiquent cette injustice avec l'intérêt. Donc c'est important. Et la dette, c'est pas seulement matériel, c'est aussi moral. Quand je dis c'est moral, il y a une dette de conscience. Et cette dette de conscience, là, je peux vraiment me qualifier, ça fait couvrir ou ça fait inclure aussi le devoir de voter. Je dis bien le devoir de voter. Nous avons une dette morale envers nos enfants, car ils n'ont pas choisi ce pays. C'est nous qui avons choisi ce pays-là. On a le devoir de les aider vraiment d'avoir une éducation musulmane, d'avoir un environnement musulman. Et ici, le gouvernement décide beaucoup de choses. On a vu, comment dire, l'éducation sexuelle.
On voit maintenant, même les denis vestimentaires, maintenant le gouvernement commence à se mêler, l'État commence à se mêler là-dedans. Et d'autres choses, ça arrivera. Pour ouvrir une mosquée, ça demande de zonage, de permis. Là, comment exercer ton adoration? Comment adorer ton Seigneur? La politique se mêle là-dedans. Et cela se définit par le vote. Se mettre à l'écart, même dans le hadith du Prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans lequel il trouva cette personne assise dans la mosquée, endettée. Il lui a appris l'invocation qui lui permet vraiment de s'acquitter de sa dette. Allahumma inni a'udhu min al-hammi wal-hazan wal-azli wal-kasal wal-jubn wal-bughl min ghalwati ad-din wa min qahri ar-rijal. Qu'ici, il dit l'incapacité, l'inactif, la paresse, la domination des hommes, le poids de la dette, tout va ensemble. Donc l'inactif, c'est la même chose, comme la dette. C'est comme la dette, rester inactif, de ne rien faire et laisser les choses décider à ta place. Et après, tu commences à pleurer quelque chose, c'est quoi, tu te mets, quoi, c'est la domination des hommes. C'est, ici, il dit l'avarice et lâcheté. Et lâcheté, ça va dans le sens. Donc, on a le devoir vraiment de s'impliquer dans la politique d'ici et voter massivement. Car c'est important, notre sort en dépend, quand je dis sort spirituellement, ce que les enfants enseignent, ce qu'on enseigne à l'école, comment on aide, on s'habille même. Où on va planter les mosquées, comment on fait, tout cela se décide avec la politique. Donc c'est important de sortir massivement et voter. Et voter, et voter, ça devient de nos jours vraiment un devoir religieux. فاستغفر الله الغفور الرحيم ربنا تقبل مني انك انت السميع العليم اللهم اغني لي بحلالك عن حرامي واكفني بفضلك عن من سواك يا رب الارحام الرحيم اللهم اني نعوذ بك من غلبة الدين من قهر الرجال يا رب العالمين يا ارحم الراحمين ونعوذ بك من سوء المنقلب في الاهل والمال والنفس اللهم انا نعوذ بك من زوال نعمتك ومن تحول عافيتك ومن فجاءة لك ومن جميع سخطك ومن الصلاة يرحمكم الله وسلم.